Alors moi, c'est une histoire vraie, contrairement à Mathieu. Je suis responsable mini-club à Coral Beach, Israël, à Eilat. Et alors, je suis pas bon dans beaucoup de métiers, mais là, j'étais vraiment très bon. Responsable mini-club. Ouais. J'étais responsable mini-club, chef des enfants. Et le truc, c'est que j'avais 100 enfants. Je connaissais tous les prénoms. J'étais un tueur, vraiment, vraiment très fort. Et... Il y a beaucoup d'enfants au mini-club et on mange en même temps que les parents, un petit peu en décalé. Il y a tous les parents qui sont dans le grand restaurant de Coral Beach. Et moi, je suis vraiment la rosta des enfants, tu vois. Et les enfants vont à la cantine et je connais les chansons en hébreu, machin, Erach, Time Shalosh, mini-club Tamid Barosh, pour ceux qui parlent hébreu, machin. Je fais un sans faute. Et donc, il y a une petite qui m'adore. Mais une petite qui est magnifique, qui a 5 ans et qui est tout le temps avec moi, tout le temps machin, et qui veut tout le temps être dans mes bras, monter sur mes épaules et tout. Et je la prends sur les épaules, machin. Et comme je suis un bon moniteur enfant, tu vois, je surveille les enfants qui sont en train de monter des escaliers vers le restaurant, etc. Donc j'avance avec la gamine, je surveille, je regarde devant, je regarde derrière, et puis j'avance en tournant le dos au restaurant et pour surveiller tous les enfants qui sont avec moi. Et à un moment donné, il faut rentrer au restaurant, je me retourne, toujours avec la petite sur les épaules, je rentre dans le restaurant. Non. Mais là, à ce moment-là, moi, je rentre dans le restaurant, mais pas la petite. Oh non ! Parce qu'il y a le haut de la vitre du restaurant. Oh non ! Parce qu'à ce moment-là, je fais 2,50 m, tu vois. Mais j'oublie. Et là, j'entends comme ça. Et là, une petite goutte de sang qui tombe. Oh non ! Un hurlement de douleur, tu vois. Et là, j'ai 400 personnes dans le restaurant qui se retournent vers moi parce que je viens d'emplâtrer la petite. Avec du sang de la petite qui te coule. Et là, tu dois quand même rentrer dans le restaurant. T'as 400 personnes qui te regardent. Et après, la petite, tout le séjour, dès qu'elle me voyait, elle hurlait. Non. Parce que mon visage était synonyme de douleur. Et c'est comme ça que j'ai été licencié du club. Non, mais c'est vrai. Non, c'est totalement vrai. Vraiment licencié? C'était gênant. Non, j'ai pas été licencié, mais si j'ai eu un moment de honte. Oh, c'est horrible. Et tu vois l'Everest un peu au-dessus. Mais surtout la petite en sang quand tu es. Oh, c'est gênant, c'est gênant. Et les parents, ils ont réagi comment? Ben, ils étaient moyennement contents. Il y avait une perte de confiance, je dirais. C'est-à-dire, si tu défigures une petite, tu vois, après, tu le laisses plus le gars gérer la piscine, quoi. Je veux dire. Même le pédiluve, t'as pas le droit. Fini, c'est fini, c'est fini.